Coucou tout le monde. Ça va bien. Il fait chaud. J'ai une horreur. Ferme les volets. Trop chaud, Cooper. Alors, je vous retrouve pour un haul action. Je voulais aller voir s'il y avait des trucs de Noël. Parce qu'il n'avait pas été mis. Et j'ai vu une boîte comme ça. C'est une 17 litres. J'ai essayé au début parce que faites gaffe, les couvercles ne ferment pas bien. Voilà, tu vois, ça va. Peut-être que j'avais pris, vous voyez, c'est limite. Hein. Donc j'ai repris une comme ça. Parce que celle que j'ai actuellement sur mon canapé, eh ben, elle est à la poubelle. Hein, Mr. Cooper, ta boîte a explosé la boîte. Il est crevé, il fait trop chaud. Alors, ensuite, rayon enfant, ils ont fait des nouveaux stickerbooks. Il y a deux feuilles holographiques et inclus 6 feuilles. Bon, il y a 18 feuilles. Bon, c'est pour les... pour les enfants. Il y en avait d'autres. Hein. Bon, il y avait 3 modèles, mais je n'aime pas les autres. Bon, je vous montre quelques pages. Donc on a du holographique. Donc ça va être vraiment pour les enfants. Après je vous montre une de chaque. Regardez. Trop mignon. Il y en a qui vont faire un peu pour l'automne. Il y a des mots qui sont en automne. Et après Noël, il n'y a pas trop. Mais... Il y en a quelques-uns. Après, les bords blancs, moi, quand je vais les coller, je vais couper un peu autour. Parce que vous voyez, il y a un peu trop de blanc. C'est pas à toi. Une mignonne, la girafe. Pour les enfants, trop, c'est top. Hé, hé, hé! Touche à rien. Voilà. Moi, je voulais trouver les stickers Puffy. Enfin, Puffy. Stickers avec du bois, de la corde, des pompons, des diamants. Je suis arrivée peut-être 5-10 minutes trop tard. Et une dame, elle avait pris autant. Donc, à mon avis, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y en a 9. Et j'ai réussi à en avoir 7 différents. Je ne sais pas lesquels il manque. Pour ceux qui ont tous trouvé, dis-moi lequel il manque. Donc là, on a le marron foncé. On a le rouge. Que je vous montre les reflets. Oh, je vous pousse. On a le rose. Petit bonhomme panipis. Ils sont trop mignons. On a le vert. Ça, on va dire vert clair et vert. Vert foncé, on va dire. Le marron clair, café. Ils sont trop sympas, franchement. Et un autre vert. Chut. On part. Hey, tu es sage. Un autre clair. J'adore la petite mamie. Moi, j'ai trouvé 7. Apparemment, il y en a 9.
Il reste plus beaucoup. Ils vont en avoir d'autres, hein, mais pas tout de suite. Ensuite, promo de la semaine, il y avait le produit vaisselle. J'en ai encore un peu, mais j'aime bien. Bah, d'avant, au final, il était en promo. Je crois qu'il y a un 29, un quelque chose. Donc, c'est citron, pamplemousse, un demi-litre. Arrête, quoi. J'ai repris deux spaghettis, tomates et basilic. Par contre, dites-moi si en boisson vous arrivez là, où ils ont complètement arrêté les oignons séchés. J'adorais ça. Ça, c'est une petite nouveauté en cuisine. Enfin, en tout cas, chez moi. Il y a 5 pots, 5,5 sur 6,5 petits pots de confiture. Il y a un bleu autrement. Donc, j'ai pris un. Ça me servir quand j'ai des petits embellissements à amener avec moi à l'atelier pour les mettre dedans. Donc, j'ai pris ça. J'ai repris un comme ceci. Moi je vous montre, mais il fera partie de l'autre 7 ans. Je ne montrerai pas les autres. Je n'ai pas encore. Donc là, il y a. J'ai pas mis combien il y a. Tu jetais. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma tante. Elle aime bien le Kit Kat. Je crois que j'étais à 2,89. Il y en a 8. Tu vas faire? Ça ne monte pas. Ensuite, j'ai pris celui-là aussi. Je ne suis pas fan du riz éventuellement, mais pour fonder les pâtes, j'ai pris un riz et des légumes. Ça fait un peu le riz cantonais, un peu. Ça ne vient pas des carottes. T'arrêtes de râler, toi? Voilà. Ensuite, au rayon scrap classique, hein. Ils ont fait du coloriage par numéro. 72 pages. Alors, il y a deux modèles. Il y en a un. Arrête! Il y en a un qui est les animaux et l'autre c'est les fleurs. Mais alors, si vous n'avez pas des bons yeux, laissez tomber. Je ne sais même pas si vous allez réussir à marquer. Hein? C'est tout petit. Faut pas des gros feutres. Faut vraiment des feutres à mine fine. Moi, je vois, je vais essayer un. Après, ça dépend des couleurs. Arrête! Mais, je vais essayer de mélanger le feutre et le petit objet. Je veux pas vous. Si vous voulez pas être spoilé, regardez pas. Je vous montre juste une page. Elle est trop belle. Voilà. Mais c'est genre d'anime. Voilà. C'est bon. Rayon Noël aussi. Là, ils ont fait ça. Pour les boîtes, je trouve ça génial. Il y a 12 pièces. Donc, il y a 3 de chaque. C'est une petite maison. Il y a moyen de faire un petit décor. Et ils ont fait des fées. Il y en avait d'autres, mais pour le scrap, non. Plus pour la déco. Le rayon était blindé. Halloween était un doublement blindé. Là, ils ont fait fort. Donc, il y a rose.
et voilà, à cœur et à rire. Voilà. Tu vois pas? J'ai pris un peu goûté. Alors, ils appellent ça du smoothie à l'orange. Il y a de la pomme, de la mangue, de la banane et fruits de la passion. On verra. Je vais le mettre au frigo. On verra si c'est bon. De toute façon, il n'y avait que ce parfum-là. Ensuite. À la base, j'y allais pour les blocs. Alors, j'en ai pris que deux. J'en ai pris pour les copinettes aussi. Qui est trois chez elle. Hop, attends. Je vais trouver. Je vous montre ça juste avant. En bout de rayon, il y avait des crayons à papier avec la gomme. Des HB. Mais comme ça, à paillettes. Oh, c'est bon. Il y avait des oranges un peu fluo, mais je ne sais pas. Mais là, j'ai trouvé super beau. Voilà. Bon, la gomme, c'est pas top. Mais ils sont beaux. Regardez. On a un avec des nuages. Il y a la gomme. Alors. T'arrêtes mon bordel. Alors, j'arrive pas à refermer. Voilà. Un crayon HB. Voilà ce qu'il y a. Il y en a 10. Et je vais remettre ça dedans. Dernière chose, c'est les deux blocs. Mais que pas. Attendez, il a quitté la bouteille. T'assois. T'as de l'eau. Il adore jouer au quai avec mes bouteilles de jus de fruits. Oh, mais arrête, fais des trous dedans, après ça tourne. Oh, tu vas te calmer là, hein? De l'eau. Moi, j'en ai pris les deux. À la base, je voulais que celui-là. Et à force de voir l'autre, on a eu, vous savez, les carnets de cartes prédécoupées, les petits carrés qui pourraient aller avec le bloc. Donc moi, j'ai pris le Christmas in the Forest. Avec les petites souris, on a un carré comme ça, il y a des petites souris. Non. Pas un carré, c'est où il y a les icônes et les feuilles. Je vous montre ça, vous les connaissez. Je vais vous montrer mes pages préférées. Donc, ce qui est bien, on a de 1 à 24. Comme j'ai des calendriers là, bon, à faire cette année, ça va être utile. Ensuite, on a des cartes comme ça. Avec les mots, elles sont trop belles. Franchement, cette année, moi les autres, j'aime pas. J'ai même pas regardé. Je voulais, frère, on les voit tellement qu'on attend de les voir avant. Après, là, attendez. Oh, ça c'est canon. J'avais pas fait gaffe. Regardez. C'est à découper. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait les traits autour. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer un. Oui, ça fait lourd. Le sapin, tiens.
Non, on voit pas. Mais il y a des traits autour pour savoir où prédécouper. Enfin, détourer. Ça, c'est génial, j'avais pas vu. Ah, c'est extra. Créer votre propre collage. Ah oui, d'accord. Sur les cartes, je n'ai pas tout compris. Sur les cartes, comme ça, vous faites un peu comme 3D. Mais ce n'est pas 3D. Hein? C'est cool, hein? Du chi, nid, sapin, feuillage. Et à la fin, nouveauté aussi. Il y a quoi faire une boîte. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre, enfin, faire un tour avec le crayon pour en faire d'autres. Non, pas. Et le deuxième, c'est le Believe in the Magic of Christmas. Croire dans la magie de Noël. 230 grammes. Et là, c'est 24 feuilles différentes. Donc, si vous voulez faire un album, par exemple, il faut deux. Alors, je remonte le rose. À la base, je voulais que tu as. Je voulais voir d'abord. Et à force de voir l'autre avec les petites souris, les rennes, tout ça. Ben voilà. Bon, je sais comment ça. Ah. Regardez. Petite carte comme ça. Enfin, c'est pas des souris. Il y a un écureuil, un papa Noël, un cheval à bascule, un lapin. Waouh! Alors là, il est trop canon. Là, ça va être compliqué. À moins de faire une grande carte. Là, on a des petites. Il y a du foil par endroit. Wow, tu vois, il y a du foil, mais il est trop beau. Oui, à faillite. Là, on a un uni. Magnifique. Wow, j'adore. J'adore, on sait comme ça. Pour ça, c'est des cartes. C'est trop canon. Voilà. Des boules. Des sapins. Hé, copain. Des branches, des bonbons. Ouais, c'est pareil. Je voulais faire avec ça. On va me faire une carte puzzle. Voilà. Ah ouais, excellent. Pour mon deuxième calendrier. J'en ferai deux, ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai posté la vidéo pour les inscriptions pour les calendriers de l'Avent. Que je laisse à peu près 8 jours encore. Et après, je ferai le tirage au sort. Waouh, trop calme. Non, franchement, il est trop beau. À la base, je voulais que je sois là. Mais je vous dis, à force de voir le forest, hein. Christmas in the forest, t'es obligé de le prendre. Donc voilà. Oh, un chien. Il y a juste les deux autres que j'ai pas trouvé, mais je sais pas quelle couleur il manque. C'est un bleu pétrole plutôt. Je sais pas lequel il manque. Donc je verrai bien à l'occasion.
Et puis, j'ai pas trouvé non plus, pas encore arrivé chez nous. Ils ont fait un kit pour le diamantine. Ça se calme. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne fin de journée, un bon week-end, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!